À Grenoble, Jérôme Delamar. Son idée, rendre les objets connectés autonomes en énergie. Aujourd'hui, l'ère des objets communicants est en train d'arriver. Et si l'on pouvait, il y a quelques années, accepter de changer la pile tous les ans pour sa télévision, quand on va être entouré de dizaines, voire de centaines d'objets, aller changer une pile tous les jours ne deviendra plus concevable du tout. Notre innovation, ça s'adresse à tous. En fin de compte, il faut avoir en tête qu'il se vend chaque année plus de 30 milliards de piles boutons. Et notre but est de vous débarrasser d'une partie de ces piles qui vous encombrent la vie. Pour cela, on va récupérer de l'énergie à partir de tous les mouvements du quotidien. À chaque mouvement que vous faites, vous générez un petit peu d'énergie et notre solution permet de transformer cette énergie en électricité. Enerbi propose un petit générateur qui, quand il est inséré à l'intérieur d'une bague aimantée, comme ici, va permettre de produire de l'électricité sur les mouvements, quelle que soit la vitesse à laquelle on bouge cette bague. Ce dispositif peut être installé à l'intérieur de ce petit système inertiel, par exemple, qui, vous l'imaginez à l'échelle plus petite, pourra, à partir de mouvements de la vie du quotidien, alimenter un bracelet connecté, par exemple. Et puis, vous pouvez aussi l'utiliser dans la vie de tous les jours pour contrôler vos télécommandes, comme par exemple avec un variateur de lumière qui pourra s'installer de manière très simple, sans batterie ni fil. Ce qui nous démarque de la pile, c'est qu'on va pouvoir avoir un système qui va pouvoir fonctionner à vie sans avoir besoin de remplacer une pièce tous les 6 mois, tous les ans ou tous les 2 ans. À partir du moment où on évite de mettre des piles dans des appareils, on évite aussi de les jeter et de les recycler. Donc c'est un atout supplémentaire à la solution que nous proposons aujourd'hui. Les champs d'application sont extrêmement variés. Dans votre vie de tous les jours, dans la maison, la télécommande qui ouvre votre portail, le contrôle d'accès à votre porte qui pourra se faire avec une clé électronique, la télérelève du compteur d'eau ou de gaz, la détection d'ouverture de tous les ouvrants chez vous pourront communiquer de l'information de manière totalement autonome, sans fil, sans batterie. On y a toujours cru, on y croit toujours fortement. Évidemment, certaines fois, il y a des petites difficultés à résoudre en se disant « Ouh là là, ça, surtout au niveau de l'industrialisation, ça ne va pas être quelque chose d'évident. » Et puis, on avance un pas après l'autre et les choses se mettent en place de manière tout à fait satisfaisante.